Salut à YouTube. On va faire le daily challenge. On a machine, c'est bien ça. J'aime bien. Elite. Non, c'est pas elite. Si c'est elite. Elite, on aime bien. Hein. Moi, j'aime bien en tout cas. Les étages ont l'air d'être grands. Déjà. Je constate ça. On va trouver le shop. On va trouver le set d'objets. Ça fait quoi ça? Je sais plus. Comme j'ai pas les trucs. Les descriptions. Et sans descripteur, moi, sans la description, des fois je suis paumé. Des fois. Pas tout le temps. 100%, c'est-à-dire que c'est un NXXL, c'est pour ça qu'il est grand. Chez Curse of the Labyrinth, c'est ça, Labyrinth XXL. Bah, on va bomber ça. On va aller choper le coffre plus la clé. Hein. Donc, si on a une bombe, c'est pareil. C'est quoi le... C'est Mom's Foot l'objectif. C'est gratos. Ah. On a trouvé le boss. Enfin, les boss du coup. Francis. On a trouvé le plus important, donc Ansius, j'ai envie de dire, c'est ok, non quoi. C'est non quoi. Encore une clé, ok. Oui, du coup, il y a deux. Il y a deux objets vu que c'est un XXL. Alors ça c'est bien ça, des clés. Cette source était pleine de ressources. Rembourser, c'est bien. Grande araignée en priorité, ouais. Oh non, j'avais pas vu qu'il était piégé, machin. Je me suis fait guaquer. Le fait de l'avoir débloqué, c'est pas mal parce qu'on l'aura un peu plus souvent. S'il peut nous assurer des trinkets assez rapidement. Dis oui. Oh! Deux coffres au prix d'un, allez! Ça rembourse la bombe. C'est des simples machines, pas exagéré non plus. Ah, elle a peut-être dû attendre pour le boss d'après. Ce boss là c'est quand même assez gratuit. Alors, si c'est monstro celui d'après on voit pas, mais... ça peut pas être un cavalier d'apocalypse après vu que c'est pas jamais en deuxième étage. Oh, à la limite on s'en fout un peu quoi. Il se fait péter la gueule tout seul en plus. Mon meilleur objet, premier étage. Hein. On est content.
pas mal aussi. Le méga place, on va dire non, hein, même si c'est tentant, mais on va garder le machin. Le pentagramme, but de match-up, c'est oui. C'est un cesse. Merde. Ah, j'ai pas trop envie en fait d'aller là. Je sais pas pourquoi j'y suis allé. C'est un peu idiot. Ça, ça donne les super secrets, hein. Ça donne les secrets, ça c'est sûr, mais est-ce que ça donne les super secrets? Il me semble que oui, hein. En tout cas, on a du gros dommage, hein, déjà. 8 de dommage. Putain. Oh, ça c'est bien ça, The Relic. Toutes les 4 salles, je crois, on a une, un Soul Heart. The Hermit, ouais, ça pourquoi pas. Justice, c'est oui. Oh, c'est un Lucky Coin en plus. Strength, ouais, The High Priestess. Ouais, ça on va le bomber. Ça, pourquoi pas aussi. Zermite. Donc je vais voir ce qu'il y a là déjà. Et ensuite. On aurait pu. J'ai peut-être un peu con là. On aurait pu. On aurait pu aller dans la Curse Room avant de faire ça. Histoire de. Effectivement, on a secret et super secret. Je déteste ces feux-là. Je déteste cette salle-là aussi. Alors. String ou c'est quoi? High Priestess. High Priestess tous les jours. Si on peut one shot un boss, c'est pourquoi pas. De pispo. Par contre, la curse of machin. Bon, c'est dommage, on avait 77% de chance de devil lui là, on a eu une TP. Les familiers ont des amis chat, donc ça fait vu que c'est un familier, orf. Oh, c'est fort. Et vu que les familles, on va les multiplier. Oh là là. C'est fort. C'est très très fort. Ah bah bravo. Ouais. Ça commence. On commence à avoir des Soul Hearts. Meilleur meilleur trinket hein, pour enfin quasiment meilleur trinket pour elle.
C'est quoi ça? Ouais, ça donne 3 trinkets. Ok, là. C'est ça le truc. Ok. Bah, la peau, on l'a déjà touchée, donc on s'en fiche. Ouais, non. Je suis pas un clodo non plus. Le shot speed down du truc bleu, c'est oui, hein. Avec le homing. Petit homing. Yes. Pas de rocher marqué en vue. C'est quoi ça? Cette carte bizarre. Ah oui, c'est ouais. Ça donne l'effet d'accord. Ouais, ça donne l'effet de Datsuki. Oula! Putain. Eh, je suis pas verni, hein. Enfin, Magic Mushroom, voilà, ok. Le Blue machin, ok. Pentagramme, d'accord. Dans les salles d'objets, voilà. Je suis pas verni. Ah, c'est vrai qu'il y a la Cambion Conception de base, elle. En même temps, non, je dis ça, mais The Relic, c'est vraiment fort. Il y a des options. Où ça, on va la prendre, la Blue Map en solde? Si on arrive à l'avoir. On va réussir à l'avoir. Oui. Oui, on va réussir à l'avoir. Trolling, 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 trolling. Ok. On va, quoi qu'il arrive, se faire la tunasse qui nous manque, comme ça.
Voilà. Donc rank là, forcément. Hop. Bah forcément les 7 qu'il nous faut. Voilà, blue map. Ok, un super secret, ouais, c'est pas loin de la du boss. C'est légit. D'argent, mais c'est pas foufou. Yes. Tac, tac. Hop, on récupère comme ça, pas de souci. On a juste une bombe pour faire la. Putain, j'espère que je suis au bon endroit. Ah, je sais jamais bien placer les bombes. C'était voilà. Bon. Cap de clé, le HP up, bon. Si j'ai un effet de larme, le cap on sera content. Bon les deux clés, je suis pas un peu non plus. Voilà, parfait. Mais non. Bon, on a bien niqué lui, hein. Ouais, j'ai avalé mon trinket. Ah, c'est ça, ça fait ça! C'est ça l'effet de mon truc, je peux avaler mon trinket? D'accord. Quand je me fais toucher, d'accord. Je suppose que c'est un des objets que j'ai. Hein. Du coup, je peux avoir un autre trinket, c'est cool. J'achète, je prends, j'achète. Putain, j'ai beaucoup de clés, mais ah non, alors ça non. Ça, surtout que je suis considéré comme un familier, si je le multiplie, j'ai encore plus de trucs qui peuvent se faire toucher. Ah, ça synergise zéro, quoi. On va se barrer. Il n'est pas question que je prenne ça. Bon, je suis à 1 de Guppy. J'ai même pas de bombe pour rentrer là-dedans. Ah bah voilà, bravo. Oh mais barre-toi. Tu sais quoi? Ça me fait 5 bombes.
Allez. Heureusement qu'il est là, lui. Hein. Il fait le taf. Hein. Tout à l'heure. Ah, mais il y a le Demon Baby. Ah non, c'est Darkbum. Oh, Darkbum, là. C'est un peu paumé. Ouais, ça peut... Il sert pas à grand chose, quoi. Pas très fun, non. Heureusement que je suis... J'ai beaucoup de PV. Parce que sinon... Ouf. Ce qui est marrant, c'est que c'est des coffres nuls en plus qui sont piégés comme ça. Des coffres bien, ce serait des coffres dorés, tu dirais ah, ou même des rouges. Tu dirais ah, ouais, pourquoi pas. Mais là, non. Là, c'est vraiment du survin, quoi. Moi, j'y pourquoi pas. Hein. C'est pas The Trinket. Ça me dit rien. Surtout quand on est en dèche de. De. Comment ça s'appelle? De bombes. Content de les retrouver. Ah, même spell là. Hein. Peu de range, pourquoi pas. J'en étais sûr. Le puff call, pourquoi pas. Que campus. Plus rich. Bon, allez, dernier étage. Oh! Ah oui, il y a des clés qui rechargent les trucs, c'est vrai. J'ai oublié ça. Moi, j'avais pas mal de PV. Ah oui, les clés qui rechargent les... J'ai oublié ça. Qui avait existé ce truc-là. Ouf.
Non, 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 là, 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 là. Yes. Cœur éternel. Amusant. Ouais, bon. Si je vole pas, ça n'a pas d'intérêt. On va accélérer les choses. Amusant. Ah. J'ai avalé les ciseaux. Parfait. Session 1, c'est bien, mais... Ouais, non, randomisé, j'ai qu'un seul... Non, 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 non. Ah! Ah non, c'est anémique. Je suis trompé, je pense que c'était... Blood Rage, je sais pas quoi, là. Le truc de Samson. Bon, c'est pas grave. La clé qui recharge. Et encore un lucky coin. Décidément. Ok, on a accès au shop. C'est pas fou, fou ce shop. Voyons. Oh, alors ça c'est oui. Et on prendra la lumière, je pense. On prend la lumière. Carlos. Le Calus, je peux marcher sur les pics ou pas? Savoir. Yes. Mais non. Un peu con ce que j'ai fait. À la limite, j'aurais fait gold. Ça aurait été marrant. PhD ou... PhD. Ça fait quoi ça, Perks? Encore tellement de trucs que je découvre. Allez! C'est la fin du voyage. On sera bien amusé. Ah, limite, la Spider Baby, c'était. Ça aurait peut-être été mieux de le faire. Je l'ai multiplié.
Et voilà. Des bisous YouTube, salut.